Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hommes et noirs, Taïmata, Chinotre, Hello. Mwana Etazini, tata yoki kolela na bino, atindeli bino, mama Samira. Ndenge ozalaka na Etazini, okolea lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bou. Wow! Ise mon bou. Bana Etazini, kolea bio, ekomi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozalina posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali. Elo komo kote yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa bilo kwa detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka. Mongusu mafute mbila. E koko maloko la bazoka na yo. Yeyo, kombone mama Samira. Makian bae. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. Un seul numéro aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié personnellement l'intervention du ministre de la Communication sur RFI. Je crois qu'il a été aussi clair que possible. Ce que j'ai beaucoup apprécié personnellement, c'est le fait d'enlever toutes les ambiguïtés possibles. Le ministre n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a cité nommément la MONUSCO comme un témoin, mais un témoin silencieux. À la limite, le silence de la MONUSCO peut s'apparenter à la complicité. Et aussi, le communiqué maladroit de la MONUSCO que de dire qu'il n'y avait pas de preuves factuelles. C'était très maladroit et le ministre Mouyaya a été autant clair que possible. Je crois que ça a été vraiment clair et je crois que c'est peut-être qui a fait réagir encore Rwanda de ce côté-là. Puisqu'on ne décolère pas de notre côté, tout est clair, le Rwanda est derrière le M23. Et d'ailleurs, le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda qui est derrière cette fiction, et vous l'avez certainement entendu. Mais maintenant, il y a aussi le propos, encore une fois, toujours du ministre Mouyaya, qui qualifie de silence coupable la MONUSCO, mais aussi l'agression du Rwanda. Mais en même temps, c'est que, voilà, pour la région, les forces régionales, ainsi de suite, personne ne refuse cette force régionale. Seulement, on se dit, à quoi va servir la présence du Rwanda, puisque c'est avec eux qu'on est en conflit. À quoi va servir cette présence là-bas? Parce qu'après, ça risque de déranger notre armée, ça risque de nous déranger nous-mêmes, et ça risque d'être très compliqué dans le futur. Et moi, je crois que de ce côté-là, le gouvernement n'a jamais été aussi clair que ça. C'est bien clair, le Rwanda nous agresse, c'est bien clair, la MONUSCO est témoin, mais la MONUSCO ne fait absolument rien. Mais maintenant, Paul Kagame qui, s'exprimant pour la première fois, dit à Tshisekedi de ne pas fuir les responsabilités internes et c'est plutôt un problème interne. Mais ce que M. Paul Kagame ignore volontairement et de façon délibérée, ce que M. Paul Kagame oublie qu'ils sont à l'origine de tous les problèmes congolais aujourd'hui du point de vue sécuritaire. Je ne parle pas du point de vue économique, même s'il y a beaucoup de tentacules. Mais au moins du point de vue sécuritaire, ils savent. La genèse de ce problème, c'est eux. Si nous connaissons ce problème exactement comme M. Mouyaya l'a dit, c'est parce que nous avons été hospitaliers. Mais est-ce que le terme hospitalier a sa place là-bas? Je pense que pas forcément le terme hospitalier, mais parce que nous avons été contraints à un certain moment de l'histoire, d'ouvrir les portes. Et non, exactement comme Mouyaya l'a dit, le début du problème, c'était là. Mais c'est vrai, ça, c'était le début du problème apparent, du problème, c'était la tête de l'iceberg. Mais le gros problème était déjà fait en avant. Mais maintenant, regardons de plus près. Lorsque vous arrivez dans une situation où un pays, visiblement, en fait, le pays ne cache plus ses intérêts, le pays arrive à nous imposer un président au pays, et vous l'avez vu vous-même. L'histoire de l'AFDEL, tout le monde raconte, les historiens racontent que M. Laurent Désiré Kabila n'était pas le patron de l'AFDEL.
Monsieur Laurent-Désiré Kabila était une main-d'œuvre, simplement. On l'a appelé parce qu'il fallait légitimer la cause. Il ne fallait pas que ce soit des Rwandais qui viennent chez vous. L'humanité tout entière allait être quand même assez, assez regardante ou même peut-être hésitante. Alors on dit non, 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 non. Pour que l'humanité ne soit pas très regardante de notre situation et qu'on ne soit pas traité des pays véritablement agresseurs sans aucun, voilà, aucun détour, on va donner la place aux Congolais. On va utiliser certains Congolais qui vont accepter de faire cette affaire. Et quand le Congolais vient, c'est la tête du Congolais, mais en réalité, le tronc, le membre, c'est autre chose. C'est ainsi que la philosophie de l'AFDL était une philosophie totalement rwandaise, et tout le monde le sait. Et quand ils arrivent au Congo, Laurent Désiré Kabila se rend compte. Parce que quand on invite Kabila, Kabila se dit, si c'est un moyen de faire tomber Mobutu, je vais bien, je vais aller. Et une fois à Kinshasa, on va faire de, je vais faire de mon mieux, je vais contourner la situation et je vais m'en tirer si facilement. C'était ça la politique et peut-être l'idée de Kabila le père. Or, vous voyez que Kabila n'a même pas attendu arriver à Kinshasa. Il a vu les velléités du Rwanda, il a vu les ambitions du Rwanda. Il dit, c'est très compliqué. Puisque ce n'est pas Kabila qui nomme Kabarebe volontairement. Ce n'est pas lui qui nomme Kabarebe volontairement. Ce sont les contrats qui disent que tu dois nommer Kabarebe comme général d'état-major. Il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire maintenant. Il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. L'histoire, c'est que Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, ce n'est pas lui qui nomme Kabarebe de sa volonté. Il dit, non, je veux par ma propre volonté nommer. Non, non, on lui dit... Voici ceux qui vont t'accompagner, voici tes directeurs, voici ceux qui vont être tes collaborateurs le plus proche, voici comment ils vont être. Et c'est lui qui nous dit ça aussi, au-delà de l'histoire. Mais c'est Étienne Tshisekedi qui va le rencontrer, son frère. Mais il sera reçu par d'autres personnes. Et quand il sort de du palais, il le dit, je suis venu voir mon frère, mais ce sont des gamins qui m'ont reçu. Et il le dit si clairement, tout le monde le sait, pas besoin de vous rappeler l'histoire, mes frères. Tout le monde le sait. Donc, que M. Kagame nous dise aujourd'hui que c'est des problèmes internes, mais ça, c'est totalement erroné, mais c'est faux, totalement faux. Ce n'est pas un problème interne, c'est exactement un problème externe. Ce sont des ambitions démesurées de vouloir occuper tout un territoire. Mais M. Kagame devrait comprendre qu'on ne peut pas occuper un pays comme la RDC, ce n'est pas possible. Le pays qui peut occuper la RDC, c'est comme, on va dire peut-être voilà, les États-Unis, la France, vous voyez. Voilà, la Belgique, dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances, on peut comprendre. Mais pas un pays africain, et surtout pas le Rwanda. Même si on retourne la situation 10 millions de fois, il n'y a aucune possibilité au Rwanda seul de vouloir imaginer occuper le Congo. Si le Rwanda veut occuper la RDC, c'est comme un crapaud qui veut avaler la vache. C'est pas possible. Vous voyez, c'est comme une poule qui veut avaler l'antilope. Ou c'est comme un écureuil qui veut, par sa gourmandise ou par sa boulimie, avaler un cheval. Ce n'est pas possible. Donc, quelle que soit la force, quelle que soit la capacité que vous pouvez avoir, il y aura toujours un problème. Hein, il y aura toujours un problème de taille, ça ne marchera jamais. C'est vrai, on va dire, le problème n'est pas la taille. Non, écoutez, la tentative d'occupation et l'occupation elle-même, c'est deux choses différentes. Ça peut produire le même effet, mais ce n'est pas la même chose à la base. La preuve, c'est que lorsqu'ils arrivent au Congo, en 97, ils impactent la vie politique, ils impactent la vie militaire, ils impactent tout, mais finalement tout et tout alors. Au point de nous retrouver dans une situation où nous ne savons même pas bouger. Mais c'était la tentative d'occupation. James Kabarebe est devenu général d'état-major, quelques temps après il revient chez lui, il devient ministre là-bas. On a eu un vice-ministre au Congo qui aujourd'hui est ambassadeur rwandais dans un autre pays. On a vu toutes ces choses-là comme ça chez nous au pays. C'était fait par qui ? Les institutions ont été finalement placardées, vous avez des cas d'infiltration par-ci, d'infiltration par-là. Donc, si M. Kagame dit aujourd'hui que non, vous voyez, il y a un problème, un problème interne, le problème interne, oui, mais ce problème n'est pas interne. Nous avons beaucoup de problèmes internes. Moi, il faut quand même qu'on se le dise. On a un problème d'organisation, on a un problème de corruption, on a un problème de concussion, on a un problème de mauvaise gouvernance, on a un problème. On a des problèmes internes, oui. Mais les problèmes sécuritaires et les problèmes de défense ne sont pas des problèmes internes, ce sont des problèmes externes. D'ailleurs, le Rwanda lui-même ne peut pas nous agresser. Il ne pourra pas agresser le Congo, quels que soient les cas. Il ne pourra pas agresser le Congo. Seulement, le Rwanda est accompagné,
est assisté. Mais maintenant, nous pouvons renverser la tendance. Ça veut dire, puisque celui qui soutient le Rwanda ne veut pas se faire voir qu'il soutient le Rwanda, tantôt il accuse, tantôt il le soutient, tantôt il accuse, tantôt il le soutient, nous pouvons dire, ok, dans ce cas, on n'a pas de problème, mais nous avons besoin de chasser l'ennemi sur notre, dans notre territoire. Nous allons donc faire des alliés, puisque toutes les armées du monde ont des alliés. Si nous faisons des alliés avec la Russie, celui qui accompagne le Rwanda silencieusement ou discrètement va le laisser. Ne vous en faites pas. Vous faites un accord avec la Russie aujourd'hui de vous aider militairement à défaire tout le groupe des armées qui sont chez vous et les chasser dans leur pays d'origine. Vous allez vous rendre compte que les pays qui soutiennent vos agresseurs, ces pays-là vont eux-mêmes se défaire, eux-mêmes vont partir. Puisqu'ils ne voudront pas s'affronter avec la Russie sur une terre où il y a l'uranium. Ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas se battre ou vous agresser encore davantage, puisqu'ils savent que si la Russie est ici, la Russie voudra enrichir son uranium. Et si la Russie commence à enrichir son nucléaire ou avoir ses ambitions-là, ça va être très compliqué. Et c'est à nous de jouer avec ça. Ça veut dire que lorsque la politique de la diplomatie ne marche pas, on peut utiliser les chantages. On peut utiliser les chantages pourvu qu'on soit écouté, pourvu qu'on soit respecté. Puisque pendant 25 ans, on a joué la carte de la paix. Pendant 25 ans, on a joué la carte du fils docile. Pendant 24 ans, on a joué la carte de celui qui demande la paix. Mais en retour, nous n'avons pas le résultat. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, il faut qu'à un moment donné, on arrive à le comprendre. Mais les idées de M. Kagame sont claires. Ici, le problème, c'est que comment faire pour avoir autant de minerais au Congo? Comment faire pour que le Congo ne soit pas le hub financier, économique, pardon? Comment faire pour que la RDC n'attire pas autant d'investisseurs dans le domaine du cobalt, dans le domaine du coltan? Puisque si nous attirons, nous, des investisseurs chez nous, ça veut dire que nous aurons des usines, des raffineries ici. On aura des usines, des raffineries de notre cobalt, des usines de production, de transformation, ainsi de suite. La partie est de la République va être totalement désenclavée. Il n'y aura pas de coups de balles, il n'y aura pas de tirs. Et en ce moment-là, on sera totalement indépendant des autres pays africains et nous allons emporter par la même vague tous ces pays-là. Puisque si nous avons des usines au Congo, nous n'allons pas suffire, la main-d'œuvre ne suffira pas. Croyez-moi sur parole, la main-d'œuvre ne suffira pas. Quand vous avez autant d'usines chez vous, la main-d'œuvre locale ne va pas suffire. Vous allez importer la main-d'œuvre. Et si vous importez la main-d'œuvre, ça veut dire que vous contrôlez les autres pays. On aura des travailleurs rwandais, on aura des travailleurs burundais, on aura des travailleurs ougandais, on aura des travailleurs tanzaniens, kenyens. Ils vont tous venir chez nous puisque nous n'aurons pas, nous, à satisfaire la demande des investisseurs. C'est ce que les autres redoutent. Ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Ils veulent, eux, créer un climat de paix, un climat attractif, même attrayant chez eux, tout en opposant un climat délétère ici chez nous. Comme ça, les investisseurs viendront plutôt implanter leurs usines de transformation des matières premières qui quitteront le Congo dans leur état brut pour aller dans leur pays, puisqu'ils auront construit ces semblants de paix chez eux. Et donc, vous aurez le BMW qui voudra aller au Rwanda, pas au Congo. Vous aurez des grandes entreprises comme Mazda, comme les grandes autres entreprises comme Toyota, comme les autres, qui voudront venir au Rwanda, mais pas chez vous. Qui accepteront de venir en Ouganda, mais pas en Ituri, tout simplement parce que chez eux, ils auront construit un système de paix, un climat des affaires attrayant. Alors que chez vous, on présentera ça comme comme une zone non contrôlée, comme un bien sans maître. Alors, pour que le Congo contourne cette possibilité-là, ou ce paradigme économique assez flou, le Congo doit jouer à l'avance, doit jouer à la carte de l'organisation interne. Ça veut dire attirer les investisseurs, dire aux investisseurs, c'est avec vous que nous allons faire la paix chez nous. C'est avec vous que nous allons construire cette histoire-là. Mais on a beaucoup de choix. Nous pouvons aujourd'hui appeler la Russie. On peut discuter avec la Russie, puisque l'Amérique est hésitante. On peut demander à la Russie de venir avec nous. Et je ne vois pas pourquoi la Russie refuserait. Mais si la Russie accepte de venir avec nous, et si que la Chine, on va dire, même si on est assez hésitant là-dessus, mais on peut demander à la Russie de venir. Une fois que la Russie aura, puisque la Russie a aussi des ambitions de s'étendre un peu, la Russie en a besoin. La Russie nourrit aujourd'hui les ambitions de devenir un peu comme l'Amérique, avoir autant de bases militaires. Nous pouvons offrir ça à la Russie, en fait, c'est une possibilité. Si nous pensons que l'Amérique ne nous aide pas,
si nous pensons que l'Amérique ne nous donne pas la possibilité de ce que nous voulons, si nous pensons que l'Amérique joue encore à la neutralité, allons vers ceux qui vont prendre officiellement et visiblement notre position. Si la Russie nous montre la possibilité qu'elle peut nous aider, qu'elle peut nous accompagner à réformer notre armée, à la structurer davantage, à la militariser, à donner des équipements et même la formation, si possible, on peut traiter avec la Russie, avoir des accords comme ça. On a déjà un très bon accord avec la Turquie. On peut continuer sur la même logique. Aujourd'hui, sur la liste d'attente, la Turquie a encore beaucoup de demandes d'investisseurs qui veulent investir chez lui parce qu'il a la main-d'œuvre qualifiée, parce que. Nous pouvons faire la même chose. On peut dire à la Turquie, entendons-nous, que le trop de tes investisseurs viennent chez nous, où nous pouvons avoir des succursales de ce que vous avez chez vous, ici chez nous aussi, et voyez ce que vous allez bénéficier, voilà, on s'entend sur deux points. Parce que nous devons comprendre qu'on n'a pas d'abord besoin, en ce moment-là, d'argent, mais de paix. Mais il y a aussi un paradigme assez compliqué. C'est le paradigme déjà apporté par le président de la République. C'était de dire, je vous apporte la paix, je ne dormirai pas en paix sans vous apporter la paix. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un bon discours qui marche. C'est un bon discours qui construit, qui rassure. Mais, dans le subconscient, les gens opposent à Tshisekedi, au président de la République, une paix dans 5 ans. Mais ce n'est pas possible de vous offrir une paix dans 5 ans, ce n'est pas possible. Une armée, pour que l'on puisse véritablement la réformer, il vous faut au moins 7 ans. Si vous êtes extrêmement rapide, dans 7 ans, vous pouvez réussir à le faire. D'autres disent 10 ans, d'autres disent 15 ans. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire dans 5 ans. Quand j'entends les gens, non, mais il fallait faire la façade. Arrêtez d'être des excités. Dans 5 ans, vous ne réformez pas une armée délétère. Oh non, le chef de l'État avait dit que l'armée était structurée. Oui, mais structurée sur papier. Tu sais qu'il vous a dit que l'armée était structurée sur papier. Pas une armée structurée dans la pratique. Arrêtons de faire l'amalgame. Moi, je crois qu'à un moment donné, quand les gens veulent insulter Tshisekedi, c'est d'abord parce qu'ils sont de mauvaise éducation. Moi, je crois en tout cas. Soit on est de mauvaise éducation, soit on a simplement une haine viscérale qu'on veut le dire. Je ne vois pas tout ce que Tshisekedi dit. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais? Quand on vous dit que l'armée est structurée, c'est que l'armée est structurée sur papier, mes frères. Nous avons la force navale, oui. La structure de la force navale, elle est là. La structure de la force terrestre, elle est là. La structure de la force aérienne, elle est là. Tout est structuré, même le budget, même la paye des militaires, tout est structuré. C'est ça ce qu'on appelle une architecture. Mais vous pouvez avoir une architecture de pacotille, mais que dans la pratique, vous n'avez absolument rien. Ça veut dire que la structure dont Tshisekedi parlait n'était pas une structure de base ou des factuelles comme ça. C'était une structure en papier. C'est à nous maintenant de mettre un peu de contenu, Nango. Écoutez, comment ça se passe exactement? Comment on va armer nos militaires? Comment on va les équiper? Comment on va? Et ça, c'est à nous de voir. Et on l'a dit, l'armée, c'est 3 éléments essentiels. L'armée, c'est d'abord le recrutement. L'armée, c'est la formation. L'armée, c'est le traitement. Et il faut ajouter à cela l'équipement. L'armée a aussi besoin de l'équipement, les équipements de pointe. Comment vous les aurez? Comment vous aurez les équipements de pointe? Alors qu'on vous dit que le M23, qui est le Rwanda effectivement, a autant de matériel sophistiqué. On vous le dit. C'est des derniers cris. Où est-ce qu'ils achètent ils achètent ça où? C'est le Rwanda qui fournit toutes ces choses. Depuis l'entrée de Félix Tshisekedi au pouvoir, tous les indicateurs économiques du Rwanda sont rouges. Ou alors on basculé tout simplement. L'état de siège a encore empiré la situation. Et ce qui fait que les pays de la sous-région sont totalement énervés. Mais maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que nous allons, monsieur, parce que si monsieur Kagame le dit maintenant, puisque monsieur Kagame comprend qu'il est mal à l'aise maintenant, et je suis convaincu fortement que l'hypothèse de la guerre ne va ni aider le Rwanda, ni aider la RDC. Croyez-moi sur parole, ça ne va pas nous aider. Ceux qui pensent que la guerre entre le Rwanda et le Congo, il y aura un vainqueur, il n'y a jamais eu de vainqueur lors d'une guerre. Il n'y a pas de vainqueur. Tous sommes des vaincus, mais à des proportions différentes. Quand vous faites la guerre, personne ne gagne. Vous perdez tous, mais à des proportions différentes maintenant. Et je ne crois pas que ça va être bien pour la sous-région. Je ne pense pas que ça sera bien pour toute l'Afrique. Je ne pense pas. Les autres pays européens, asiatiques, ont terminé cette histoire de guerre entre pays, il y a continuellement encore depuis très longtemps. Je ne sais même pas la dernière guerre qu'il y a eu en Asie entre les pays asiatiques, c'était quand?
Je ne sais pas encore la guerre qu'il y a entre les pays européens, c'était quand? C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est même pas l'Europe qui se bat, c'est ici, c'est Ukraine et la Russie, qui ne sont pas dans un même continent, vous le savez. Vous n'allez pas voir l'Ukraine se battre contre la Belgique ou la Belgique contre la France. C'est extrêmement difficile, c'est des cas extrêmement rares. Et même si c'était des cas récents, ça ne doit pas nous inspirer. L'Afrique doit trouver une voie pour régler ces conflits. Je suis contre ceux qui pensent que nos richesses doivent profiter aux autres. Non, nos richesses doivent d'abord profiter à nous, Congolais, et aux autres après. Et non l'inverse. Donc, il faut ici que les intellectuels qui entourent M. Kagame, les intellectuels qui entourent M. Tshisekedi, puissent faire comprendre à tous les deux que la guerre ne va pas nous aider. Mais les responsabilités doivent être établies. Ici, les responsabilités, c'est que ce M. Kagame, avec sa politique de vouloir prendre des minéraux au Congo, ou avec sa politique de vouloir contrôler totalement la RDC, qui est une mission suicide. Ça ne peut pas passer, ça ne marchera pas. Ça a marché pendant 18 ans, mais là, ça ne peut plus continuer. Le problème, c'est que vous devez savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la domination, et puis il y a un temps pour la révolte. Ce moment-là où il avait la main mise sur tout, c'est bon, c'est fini ce moment-là. Maintenant, nous sommes dans une autre époque. Il faut maintenant de nouveaux paradigmes, il faut maintenant de nouvelles théories, puisque les anciennes ont échoué. Alors, je ne vois pas pourquoi on va continuer dans cette logique-là. Quand M. Kagame dit, par exemple, la FARDC et la MONUSCO d'avoir fait recours aux combattants FDLR. Mais non, la MONUSCO a essuyé des tirs. Il y a eu des morts dans les grands de la MONUSCO. Ils ont été tués par les mêmes militaires, par les mêmes militaires M23. Donc ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est incapable de nous dire des chiffres. On est incapable de nous dire des chiffres. Moi, je vous ai dit ici, vous voyez ce problème qu'on a aujourd'hui, on aura encore un autre problème demain quand on voudra parler de notre génocide. Le Rwanda ne veut pas qu'une autre idée émerge pour parler de leur génocide aussi. Le Rwanda ne sera jamais à l'aise. Puisque le Rwanda veut rester dans cette politique de victimisation du seul génocide, c'est eux, ainsi de suite. Il est temps maintenant que nous puissions écrire notre propre histoire. Or, lorsque la RDC fait ses histoires, la RDC ne les fait pas en calculant le Rwanda. Si nous voulons célébrer ou parler de nos morts, on ne parlera pas de nos morts librement. Mais on aura encore un autre problème avec le Rwanda quand on abordera la question de notre mémoire. Quand on abordera la question des responsabilités, on aura encore un autre problème. Puisque le Rwanda veut rester comme un maître dans ces questions-là. Mais on ne peut pas faire la fête sur les deuils des gens. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas moralement bien. Donc réglons, moi je suis convaincu que la voie de la paix va nous aider à avancer un peu plus. Mais que les responsabilités restent établies. Sur la force régionale, nous refusons que le Rwanda vienne. Nous refusons que le Rwanda vienne. Pourquoi nous refusons que le Rwanda vienne? Pas parce qu'on ne les aime pas. On refuse que le Rwanda vienne parce que nous estimons qu'ils sont partie du problème. Ils font partie du problème. Voyez-vous, ils font partie du problème. Du moment où ils font partie du problème, je ne vois pas pourquoi nous allons les garder. C'est pas qu'on va pas. Moi, je suis contre tous ceux qui appellent aux attaques, Bakagabango. Non. Il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Nous, on est un peuple civil. Nous sommes un peuple conscient. Ce n'est pas important de nous attaquer aux Rwandais qui ont choisi délibérément de vivre au Congo. Les Rwandais qui ont décidé de vivre au Congo sont comme des Congolais qui ont décidé de vivre en France, sont comme des Congolais qui ont décidé de vivre en Belgique, sont comme des Congolais qui ont décidé de vivre partout à travers le monde. Et une fois qu'ils sont au Congo, nous avons droit à protéger Bango. De même, nous avons besoin d'être respectés en France. De même, les Rwandais qui sont ici ont besoin d'être respectés. Moi, je suis en train de déconseiller tous les propos allant dans le sens allez les retrouver dans tel endroit. Je suis contre cette histoire-là. Contre ça, parce que ça, c'est non seulement... Et puis, celui qui le dit si bien, avec des termes bien... C'est le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege le dit à des termes clairs. Il le dit, Toti kabwa kibunyama wana. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'attaquer aux individus comme ça parce qu'on veut les attaquer. Non, laissez à l'ANR faire son boulot. S'il y a des infiltrés qui sont au Congo, l'ANR est doté pour ça. Et si vous, vous êtes Congolais et que vous voyez que les gens sont suspects dans l'environnement d'Abino, allez à l'ANR.
Dénoncez au niveau de l'ANR, mais ne prenez pas les réseaux sociaux pour finalement demander aux gens exposer Batouba. Bon, non. Allez voir l'ANR, les autorités de police. Dites, monsieur le policier, je suis étranger, je suis pas dans le bureau, compliqué. Est-ce que vous avez tout le monde dit? Et la police va faire ça poliment, calmement, dans les normes. Monsieur, comme il y a un qui TV, je suis dans le coin. Je suis dans le coin. Et non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Des Congolais, il y a des Congolais qui ont eu des enfants avec les Rwandaises. Il y a des Rwandaises qui ont eu des enfants avec des Congolais. Et ces enfants-là sont soit Congolais, soit Rwandais. Ils sont Congolais ici chez nous, ils sont Rwandais quand ils partent chez eux. Parce qu'au Rwanda, là-bas, il y a irrévocabilité de leur nationalité. Donc tout celui qui porte la sémence congolaise, rwandaise est Rwandais d'origine ou je ne sais pas jusqu'à la fin de sa vie. On ne peut pas renoncer à la nationalité rwandaise. Alors que chez nous, la nationalité, elle est jalouse. Si vous l'avez, vous l'avez, vous n'avez pas d'autre. Donc, comment vous mettez les enfants, les enfants innocents de tous ces mariages-là? Vous allez tous les chasser du pays parce qu'ils sont des mères rwandaises et des pères rwandais. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas intelligent. Il ne faudrait pas qu'on arrive à ce niveau-là. Par contre, nous pouvons continuer, nous, à mener notre politique. Notre politique, c'est comme je le dis, c'est exactement l'organisation. Travaillons sur l'organisation. Au sein de l'armée, on l'a dit, si vous pensez qu'il y a des rwandophones au sein de l'armée et que vous voulez les écarter au sein de l'armée, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que le chef de l'État vienne, il relève des fonctions, tout. Non, 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 je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense par contre qu'on peut faire émerger d'autres généraux et eux, on les laisse dans leur posture là. Je suis convaincu que Togoumane Ivoire, on élève d'autres généraux que nous estimons qui ne sont pas, qui dont la loyauté est à diviser. Ma matin n'a pas poste, ma responsabilité, alors que Bango Bazaka n'a pas poste na Bango. Où nous pouvons le permuter, mais pas les relever de leurs fonctions à cause de leur appartenance ethnique ou tribale, ça va être très dangereux. Ça va être très, très dangereux. Par contre, on peut dire, rwandophone ou azali, par exemple, n'a pas ça comme exemple, que Moutoumour a rwandophone, mais aza na axe, par exemple, à combat tel, toline, tel, line, tel. On peut dire, non, yo, il y a causé la logistique. Toyo qui n'est pas renseignement, Toyo qui n'est pas place telle, Toyo qui n'est pas place où il est moins dangereux. Où il faut tenter de loyauté dans l'humilité. Qui n'est par exemple dans la formation, qui n'est par exemple dans la place telle, mais le commandement, on le donne aux hommes et aux femmes dont la loyauté n'est pas un problème. Dont la loyauté n'a pas été partagée ou dont la loyauté n'a pas été secouée. Si nous faisons ça, je pense que l'on peut commencer à régler le problème. Mais au-delà de tout ce que l'on peut dire, l'organisation est importante. Faisons en sorte que le budget de l'armée est matin. Accordons plus de moyens dans notre armée. Équipons-nous pendant qu'on y est. Équipons-nous. Tout le monde est équipé à l'école de formation. Il y a l'armée dans le Congo. Il faut qu'on ait Kamina Ezali, Kitona Ezali, base Kamina, donc Kamina Ezali, tout ça. Ezali, commençons d'abord par refaire notre centre d'habitude de formation. Il y a Kibomango, il y a tout ça. Tout le monde est en équipé à jour. Quand on aura fini à jour, nous sommes très sélectifs dans le recrutement pour nous former paracommando, parachutiste, force terrestre, force navale, force aérienne, tout ça. Tout le monde est en unité de spécialisation, tout ça, on essaie de comprendre d'abord la formation convenablement. On essaie d'outiller suffisamment et nous essayons d'armer notre, permettez l'expression, d'armer notre armée. Tout ça, la musique est bien. Et moi, je crois que tout ce qui est en train de dire, sans faire de bruit, dans 2 ans, 3 ans, on va se faire respecter. Puisque lorsque les militaires viendront, c'est d'abord des gens qui sont des diplômés, pour la plupart des cas, diplômés, il y a des 6. Continue la formation, il y a solo. Tant que babimi, bakan kokolo, bakan tchatche, banini, bakan boussingwa, bakan mobutu, bakan tout, on a commis, on a refait, on a condition à bien. Les militaires sont motivés. Tant qu'il y a un bitumba, il y a moi aussi, dans la condition à bien. Ceux qui sont dans la belle, à aucun hôpital. Ceux qui sont dans la belle, à aucun hôpital. Moi, dans la condition à bien. Et nous avons ceux qui ont confié, ils ont vu, ils ont rassuré. Ceux qui sont déjà militaires, ils ont idée, ils ont tout, c'est bon déjà. Salaire, il y a 100 $, ceux qui ont 200 $, bon, maintenant, il y a 200 $, ou 300 $, ou même 400 $. Habituellement, la fin du mois, dans un 400 $. Il y a avantage na bango ebele, avantage sociaux, avantage abele ebele bazanango. Mais nos militaires vont être beaucoup plus forts.
Et vous allez voir qu'il y aura la sélection naturelle qui va se faire. Ce n'est plus les, voilà, les pamba pamba qui vont aller à l'armée. Ça va être des licenciés, des diplômés qui vont vouloir faire l'armée pour se battre dans Burkina Faso. Et on peut prendre d'autres mesures. Par exemple, la partie à Est. Voilà. Jusque-là, je n'ai pas toujours été d'accord, Nango, mais je peux toujours proposer parce que, bon, on peut toujours voir ça. Tous nos enfants qui vivent à l'Est, à partir de la sixième année, si la première année graduée, putain, vacances, on peut prendre 4 mois pour le service militaire obligatoire. Juste pour la partie Est. Tous nos enfants doivent apprendre ça. Et ils peuvent aider comme réservistes et armés. Je le dis, hein, je ne suis pas très d'accord avec cette proposition. Mais si ça peut aider, tant mieux. Si ça peut aider, tant mieux. Mais en tout cas, je suis très convaincu que l'organisation interne va nous aider à faire avancer beaucoup de choses. Au sujet des politiciens qui sont derrière les groupes armés, par-ci, par-là, c'est à nous de décider de les mettre hors d'état de nuire. Et ça, c'est les services des renseignements, les services militaires qui pouvaient, voilà, évidemment, aller dans ce sens-là. Dans cette période, je crois que, en tant que journaliste, nous n'avons pas droit à verser dans les insultes, ni à nos forces armées, ni surtout pas au président de la République. Je ne vois pas pourquoi on va commencer maintenant à organiser des plateaux tout entiers pour chercher un moyen de diminuer les forces armées ou de diminuer le président de la République. Je ne vois pas pourquoi, à quoi, quelle est l'idée derrière toutes ces choses? Faisons des analyses froides, apportons la solution au problème bien évidemment, mais tout en gardant l'idée qu'on est bien, on est bien là. Vous voyez par exemple ce qu'on a fait, on ne le voit peut-être pas, mais il y a eu des escalades. Binomo Bomoni que sur le terrain, il y a eu des escalades. Tous les appels, Bokangabango et Kiti, et Sili, Bozo Kango Souté. Et entre-temps, quand nous on fait ça, de l'autre côté, ça déplumé. Moi, je ne sais pas, preuve, ça soumigité. Puisque l'État congolais, et ça, c'était très bien de la part du président de la République, c'était très encourageant de la part du ministre de la Communication et même le commissariat provincial de la police. Ils ont, en tout cas, pour la première fois, depuis que ce régime est arrivé, ils ont fait quand même des progrès. Quand ils disent des choses, les gens suivent après. Aucune autre vidéo appelle à l'insulte. Aucune autre vidéo fait le mabon. Puisque les gens ont été formellement clairs que les Congolais, les Rwandais qui vivent au Congo doivent être protégés par l'État congolais. Je rappelle, messieurs et dames, nous ne sommes pas un peuple barbare. On n'est pas un peuple bandit. Nous sommes un peuple civilisé. Donc, quoi on a piège ou on a thé. Au moni Rwandais, Nanzela, Tikaye Atamboula, Kobeta te, Kofingate, pour Yaza Kagamete. Rwanda Kuti Nanzela, il y a un politicien rwandais. Rwanda Kuti Nanzela, Tikaye Atambola, Asala Makambu, Nandengenaye, Tikaye Komegate, Kionaba, Nabetanzete, Tonababa, Liban Komegate, Pona Kongo, et pas Nabangona Rwanda, Bazairo, Bazakuna, Bakongole, Bazakuna, Babeta Makate, Bafinga Makate. Alors évitons de tomber dans ça. Évitons. Et moi, j'encourage la police congolaise, les gens qui vont aller à la télévision pour aller insulter les communautés doivent être arrêtés. Non, ils doivent être arrêtés. Quand vous mettez à insulter les communautés, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Organisons-nous par contre. Restons des hommes civilisés, ça sera une très bonne chose. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il fallait quand même que je dise pour la Makambouana. Mais jusqu'aujourd'hui, le M23 continue. Enfin, pas le M23, le Rwanda continue à agresser les sols congolais. Et c'est ainsi que Tshisekedi a pris une autre tournure. Et aujourd'hui, M. Kagame se plaint parce que Tshisekedi a été formel. Mais malheureusement, le pauvre, il y a beaucoup d'ambition. Ah ouais, moyen batou, je ne sais pas, il y a une méchanceté et une mauvaise foi. Des gens qui racontent leurs histoires à côté. Tshisekedi nous a trahis. Il vous a trahi en quoi? En quoi Tshisekedi vous a trahi? Il a dit formellement à tous les présidents sur place. Cette force, et vous allez bien, et pas d'abuso, sauf la présence rwandaise. Mais encore des gens qui s'obstinent à dire Balobakiangote, vous voulez que Balobakiangote, qui va mieux parler de nous si ce n'est pas nous-mêmes? Mais maintenant, pourquoi M. Kagame est en train de parler? Il fait une déclaration, pourquoi? Il fait une déclaration parce qu'il a vu formellement Tshisekedi dire non, dans Makambouana. Et aujourd'hui, ça commence à déranger. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais la donne est en train de changer. La donne est en train de changer au niveau international. Tous ceux qui hier s'est caché commencent à ouvrir grandement l'œil. Vous avez vu l'Amérique en train de dire, mais non, c'est le Rwanda qui agresse. Ils vont le dire, et ne vous en faites pas, si on continue comme ça, ils vont le dire formellement. Et le Rwanda va reculer. Donc arrêtons un peu, il n'y a pas d'Afalakibo. Et quand j'entends les gens dire, je sais qu'il y a Zolobate, vous voulez qu'ils disent quoi? Je veux d'abord savoir qu'ils disent quoi? Qu'est-ce qu'il va dire que vous ne connaissez pas?
Un président, ça ne dit pas des choses qu'à pour satisfaire les gens. Le ministre de la Communication a largement communiqué sur la question. Tout le monde a dit, le chef de l'État, quand il viendra dire des choses, il viendra pour vous dire, mesdames et messieurs, nous décidons d'aller en guerre, ou mesdames et messieurs, nous ne décidons pas d'aller en guerre. Le chef de l'État ne vient pas pour vous calmer, Bozala calme, El Kamounini. Lui, il est président de la République. Pour qu'il vous dise des choses, il faut qu'il ait tous les éléments possibles. Et un président ne vient pas pour vous faire des propositions. Un président vient pour vous montrer la ligne à suivre. Tant que Moramba FCC est comme une nana, à l'obacatin. Alors, moi qui n'ai ni A ni O, tant que je suis en train de me faire un peu de temps, que non, bon, on est en train de divorce et 4 ans. Le président Félix Tshisekedi va faire la même chose. Il ne deviendra pas vous faire de proposition. Non, bon, moi, non, le président, quand il viendra parler, il viendra nous donner l'action exacte que l'on prendra. Mais c'est un président. Il ne peut pas prendre des décisions graves, le coup, la guerre, sans consulter au préalable toutes les autres forces, même internationales. Les gens pensent que le Congo, c'est juste... Non, mais une fois que nous entrons en guerre ici, on va faire la même chose que la Russie là-bas. Il y aura beaucoup d'implications pour tous les autres pays. Il y aura une déstabilisation de la région. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut aller doucement et méthodiquement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il a déjà dit. Il était chez Lorenzo, il a dit que le Rwanda a compris la leçon. Il a dit que le Rwanda nous agresse. Il a dit plusieurs fois que les gens veulent qu'Albanie. Attendez le chef de l'État, quand il viendra parler, ça sera pour vous donner la direction à prendre et pas des propositions. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant! Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant! www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, ces hommes noirs, Daïmada, Chino, Tenele, Nakinia, Panapiko. Toye Mali, Toye Bolo, Nende Yalisa.